Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4 en compagnie de Leila Laolès et Nick Valentine. Alors nous sommes rentrés et nous allons parler à l'habitant. Nous sommes rentrés. Vous êtes débarrassé de ces pillards. Vraiment ? C'est le genre de nouvelles que j'aimerais entendre plus souvent. Voilà. On a discuté en 107. On a décidé de soutenir les miliciens. Voilà, je peux maintenant utiliser l'atelier. Voilà, donc nous avons donc parlé à Preston Garvey. On va aller à Preston, on va parler à Preston Garvey. Où est-il, Preston Garvey? Il est de ce côté-ci, Preston Garvey. Est-ce qu'il est retourné à Sanctuary? Parce que c'était bien lui qui était au fort. Ah, mais le fort maintenant est à... avec la fille. Donc je tourne à la suite, hein, donc il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de mission du fort, parce que j'ai pas eu vos retours, j'ai pas regardé sur internet non plus. Je tourne à la suite, je tourne plusieurs épisodes d'affilée, donc c'est pour ça que des fois je reviens sur vos commentaires plusieurs épisodes après, puisque je tourne plusieurs épisodes d'affilée. Et que donc, voilà. Hop. Donc, ne vous inquiétez pas. Je suis tous vos conseils, mais quelquefois, eh ben, je suis obligé d'attendre avant de les mettre en pratique, puisque là, je tourne 5-6 épisodes d'affilée. Hey, Preston. Les pillards qui persécutaient la colonie où vous m'aviez dit d'aller. Les gens de là-bas ont accepté de se rallier à notre cause. Excellente nouvelle. Un jour, on sera assez fort pour chasser ces ordures du Commonwealth une bonne fois pour toutes. Yeah. Je vous préviendrai si j'entends parler d'une colonie qui a besoin de nous. Profitez-en pour proposer de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Ça ne peut que servir notre cause. Pas de problème. Pas de problème, Preston. Ok. Ça, c'est vraiment cool. Donc, maintenant... Maintenant, on va s'atteler à construire. Aider l'unité de reconnaissance de la confrérie. Constitution. La mer luminescente, c'est la mission principale, mais il faut qu'on trouve le moyen ou les... les combinaisons pour y aller. Ouais, faut qu'on trouve les trucs qui fournissent de l'eau propre. On verra ça. Ah. C'est quoi ça? Merde. Pardon. C'est quoi ça? Ouvrez votre conteneur de stockage personnel. Il est où? Sur la carte, attendez. Hop. Il est sur le Pridden? Ah bon? Je savais pas, écoutez. On va essayer de le trouver ensemble. bonne nouvelle, dites donc. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Le fusil est sympa. Alors attendez, en haut, en bas. Si vous croisez des synthétiques, abattez-les. Passerelle de commandement en plus. Oh putain, mais pourquoi tu veux toujours descendre? Faut qu'on monte encore. Montons encore.
Là, vous voyez un petit... Une petite image pendant la transition aurait fait du bien. N'est-ce pas, messieurs? Les développeurs. Enfin bon. Je suppose qu'on peut pas tout avoir. Ah, c'est là. Pour avoir éliminé les monstres de Force Strong. Et sinon, des documents. C'est pas là. C'est où? Madame, je suis coincé, madame. C'est où? Attendez, voilà. Ah, c'est là. Réacteur à fusion, cellule à fusion, d'accord. Le personnel. On va dormir une heure. Hop, on se lève. Voilà. On est rétabli. Parfait. Ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre, mais il y a surtout du plasma, parce que c'est surtout des... ils se battent surtout avec la nouvelle technologie. Donc, forcément... Hop. Non, c'est pas là que je voulais aller, mais ouais, on va aller par là-bas. On va aller par là-bas. Parfait, c'est par là que je voulais aller. On va choisir une mission. Et pourquoi pas tenter d'aider l'unité de reconnaissance de la confrérie? Après tout. Tac. Qui se trouve... Qui se trouve, attendez, donnez, parlez aux habitants de County Crossing. Attendez, problème de ghoul. On va. J'ai pas aidé County Crossing pour les laisser entre les mains des ghouls, non. Je vous rappelle qu'on avait sorti County Crossing des mains des super mutants. Si maintenant les ghouls s'en mettent, ça va chier. Ça va chier. Le lance-flamme est conçu spécialement pour les combats prolongés. Il inflige des dégâts d'énergie soutenus et peut réduire une... Il peut réduire ce... Terminal. Ah oui, ça a changé entre... Très bien. C'est à toi que je dois parler. Excusez-moi. Vous faites partie des miliciens, c'est ça? Venez-en au fait. De quoi vous avez besoin? Un groupe de ghouls sauvages est arrivé par ici. C'est trop dangereux de les laisser rôder si près de nous. Il faut les éliminer. C'est fréquent. Vous avez souvent des problèmes avec les ghouls? Quand il n'y en a qu'une ou deux, on s'en sort. Mais quand elles sont plus nombreuses... Ok, je m'en occupe.
C'est comme si c'était fait. Ah, bon débarras. C'est parti les amis, on va s'occuper du problème de Ghoul. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des missions trop... trop grosses pour le moment. Et sinon de détresse, j'avoue que j'y ai jamais, jamais, jamais fait attention. On en parle d'une goule qui sait se servir de... C'est quoi ce bordel? On va voir. On va voir, mes amis, on va voir. Toi déjà. T'as mal commencé. Toi, tu continues mal. Ça a mal, ça a mal, ça a mal! Excusez-moi ce petit moment de stress. Mais là, je me fais un petit peu avoir et ça me saoule. J'ai pas la bonne arme. Coincé, nom de Dieu! Après la porte, je veux vraiment on peut les manger, voyez, je peux manger les ghouls maintenant, ça ne me fait absolument à plus rien, ça ne m'empoisonne pas. C'est quoi ça? Je suis je suis désolé si mes cris vous ont fait peur, vous devez avoir l'habitude maintenant hein. De mes petites rages comme ça. Mais c'est vrai que... Hop, c'est un petit peu énervant. Hop. C'est un petit peu énervant quand on est... coincé dans un coin et qu'on n'a aucune possibilité de retrait. J'avais la mauvaise arme sur moi, j'ai pas trop de cartouches pour cette arme en plus. Ça va être assez... Hop. On mange de la goule, on s'en fout. Prends... On y va. Et on peut pas y aller parce qu'on peut pas déverrouiller. Et si, on peut passer par là. Tout simplement. En haut, ça mène où en haut? Ça mène à un gros trou en haut. Hop là.
Hein, Madame Chambier? Mot de passe. Stylo. On va le prendre, le stylo. Peut-être le mot de passe ici, non? Eh ben voilà. Contournement du mot de passe détecté. Commande la porte de sécurité. Voir la porte. Voilà, s'il te plaît, tu... Voilà. Par contre, je vais fouiller ici. Cuillère à soupe. Alors là, j'ai plus de balles, s'il te plaît. Pou. 33 balles. On va tenter avec ça. C'est parti, mon kiki. Évidemment, on est devant un écran noir, mes amis. Que faisons-nous devant un écran noir? Eh ben, on meuble. J'ai même plus de thé glacé, c'est pas possible. Allez. Cartouche, on va faire un petit croc. Oh putain. Je pense qu'elle a pas aimé que je mange sa copine. Pourquoi je peux pas frapper? Je peux pas me défendre. Et fuck! C'est Nick qui a tout fait, hein, je tiens à le préciser. Je sais pas ce qui s'est passé, je pouvais pas me défendre. À un moment donné, j'appuyais comme un malade sur les touches et... Pouf. Ouais, ça fait quelque chose, Fred. Ressenti. Donc voilà, pendant un moment, je n'ai pas pu me défendre, hein, juste me déplacer. C'est Nick qui a tout fait. Merci Nick, parce que j'aurais pas été avec lui, franchement. Je m'en serais pris plein la gueule. Je sais pas. Sur le coup, ça peut être bugouillé. Hop. Il va falloir s'en procurer du right away. Hop. Je vais en profiter pour manger la goule, hein. Excusez-moi, petit fin. Hop, un petit peu fin, on va dire, et pas petit fin, ni optifine, ce qui est complètement autre chose. Alors, attends. Mon amis. On va en profiter pour becter, hein, écoutez, ce qu'on rencontre sur le chemin. Bah, tiens. Il y a du peuple, là, moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Non.
D'accord. Et pourquoi quand j'appuie sur frapper, tu ne frappes pas? Tu vas peut-être mourir, oui. On est mal parce qu'on n'a plus de munitions, les amis. On n'a plus de munitions. Et je mange de la goule à tire-larigot. Ouais, c'est quand même moins bien fait que sur Fallout 3, le mangeage de ghoul. Je tiens quand même à le préciser. Ce Fallout 4 est super bien fait. Mais sauf ce qui concerne le cannibalisme. Trop de sang et pas assez réaliste. Dommage. Mais On va le prendre. Dommage, dommage. À mon avis, c'est en bas que ça se passe. C'est un lumi. Un luminescent. Ah ! Enfoiré. Un luminescent. Ça devrait pas être long. Au secours, Nick. Au secours, Nick. Nick, au secours, Nick. Nick, au secours, Nick. Je suis mal. Laisse mon copain Nick tranquille. Moi, je veux manger du luminescent. C'est à gerber. Et ça pour ça. J'avoue que... Et en plus, je me suis pris des radiations en plein... J'avoue. Là, Nick, j'avoue que t'as totalement raison. C'est à gerber. Cartouche. C'est à gerber, mais en même temps... Hein. Une fois que tu as goûté, je te dis, moi, tu peux plus t'en passer. C'est comme une drogue, Nick. Nick, c'est comme une drogue, je te jure. Tu t'en passes plus. Il faut que t'en manges encore. C'est comme la lycanthropie, Nick. C'est comme le vampirisme, Nick. Une fois que t'as commencé, quand tu en vois une, oh Nick, quand tu en vois une.
D'accord ? Et quand t'as plus d'armes, Nick ! Oh mon dieu. Bouge pas ! Mais bouge pas ! Oh Nick, surtout quand on voit une légendaire, Nick. Oh, oh. Mon Dieu, que ça apaise tant de douleur, Nick. Oh mon Dieu. Vous allez me prendre pour un fou. Mais non, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, non, vous le savez déjà. Oh, Nick. J'ai eu la vision, Nick. J'ai eu la vision, Nick. La vision goulesque. Nick. Elle est là, Nick. Elle est là, Nick. Je suis coincé, Nick. C'est pour ça que je pouvais plus bouger. Oh, Nick. Tu devrais essayer, franchement, Nick. Ça t'aiderait, Nick. Je t'assure, ça t'aiderait, Nick. Toi aussi, tu trouverais la vision goulesque. Je vous mets quand même la lumière verte, hein. Réfrigérateur, réfrigérateur, y a rien. Ça, on prend parce qu'on pourra peut-être cuisiner. Ok. Pardon, Nick. Oh. Mauvais quand il y a un truc qui tombe en général. Elle est où, c'te ? Il va se la faire. Parce qu'il est fort, Nick. Sans mauvais jeu de mots. Bon, on va pas monter la fouiller. Ça va bien. Il va être temps de mettre fin à l'épisode parce que je vois 28, donc on va aller rendre la quête et mettre fin à l'épisode ici. Pour ça que... Bravo, Nick. C'est bon, tu sors. Merci. Wow. Parfait. Parfait, moi je dis. Déverrouiller maître. C'est fermé. Voilà. Trop difficile à crocheter. Donc, on va rentrer. Désolé hein, si je pense te voir d'allumer. Oui, informer les habitants. Mais c'est là où je veux aller, oui. Oui, c'est là où je veux aller, Kunti. Voilà, merci. Pour mettre fin à l'épisode, tire aux habitants, yeah! Et mettre fin à l'épisode.
Toujours un écran noir. Hein. Ils pourraient nous présenter, même si c'est répétitif, les animaux, les armes et tout. Dans Skyrim, ils le font. Oh, Borderlands, ça y est aussi. Ça me frustre un peu de voir un écran noir. C'est pour ça. Réveille-toi, mon ami, réveille-toi. Rassurez-vous, ces ghouls ne vous poseront plus de problème. Réveille-toi. C'est vrai? Ah, oh, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est quoi les données? Parler à Preston Garvey. Eh bien écoutez, on va aller parler à Preston Garvey. Et on se quittera justement. Sanctuary Hill, vu que c'est une zone complètement safe. Et c'est là que nous nous dirons au revoir. Voilà, là, c'est parfait. On a un petit truc avec quoi jouer, voyez-vous, le Pip-Boy. Alors, le mien est purement décoratif, hein, celui que j'ai reçu dans le... Je ne joue pas avec... Et de toute façon, ça tient mal au bras, ça tourne, c'est... Je l'avais essayé comme ça pour délirer, mais ça tient mal au bras, ça tourne, c'est... Voilà. Donc je ne joue pas avec. Il est simplement en décoration. Voilà. Avec mes poupées Voltec. Mes Volt Boy. Preston. Prenez soin de votre arme et elle... Preston. J'ai éliminé les ghouls qui sont... J'ai éliminé les ghouls. Content d'entendre ça, général. Ça fera déjà un souci de moins pour les habitants de cette colonie. Ok. Tant que vous êtes là, j'ai autre chose à vous dire. Une autre colonie a besoin d'aide. J'espère que vous pourrez intervenir rapidement. Il faut que les gens sachent qu'ils peuvent compter sur les miliciens. Voilà l'endroit. J'espère que vous pourrez montrer à ces gens... Place Net, station Oberland. Ok, pas de problème, mais ça sera pour le prochain épisode, je pense. Laissez-moi sortir de la maison, laissez-moi sortir de la maison. J'irai chercher de toute façon des munitions, parce que j'en manque. Hein. Donc j'irai chercher des munitions. Mais voilà, ça sera pour le prochain épisode, je pense. Ah, mais non, je voulais pas rentrer dans... Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.